Salut tout le monde, salut, salut. Alors, je vais vérifier tout ce qu'il y a. Ok, c'est bon. Bon, bah on est parti pour le part 2. Alors, je vais vérifier ici. Mon retour. Et on est parti pour la fin. Alors, j'ai un petit peu zoomé sur la figurine pour qu'on puisse travailler un petit peu, mais on n'a pas trop zoomé, parce que je vous rappelle qu'une figurine n'est pas faite pour être zoomée à 10 milliards de pixels. Nos yeux, de toute façon, ne nous permet pas en réel de voir la différence que peut nous donner un appareil photo ou un comment s'appelle, une caméra. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Juste à flatter l'ego de certains qui se disent, bon bah moi j'ai pas un microscopique. C'est kiffant, je suis meilleur. Bon, voilà, c'est pas du tout ce qui est recherché ici. Que je vérifie un petit peu. Ok. Ok. Donc voilà, un zoom. Bon, pas trop violent non plus. Et un peu de poussière, j'ai bossé. Donc hop. On est parti. Donc là, on va commencer par quoi? On va commencer par quoi? On va finir, je pense, la robe ici. Donc on va faire tous les petits rivets qu'il peut y avoir en bas là. Ici, il y a des petits rivets qui ont disparu, qu'on n'a pas fait tout simplement. Donc on va le faire. On va commencer par du bleu marine. Alors, pourquoi j'ai pas le chat? Pourquoi j'ai pas le chat? Ok. Il paraît bien. J'espère qu'il va pas y avoir trop de soucis de connexion. Le samedi, c'est toujours un peu compliqué. Voudrais remercier encore les gens qui sont venus follow la chaîne, qui sont venus s'abonner sur YouTube et qui sont venus follow et s'abonner au Patreon. Merci à vous. Ça me permet déjà d'avoir un retour. Et de savoir si mes vidéos plaisent, et apparemment oui. Et mes vidéos live aussi. Surtout mes vidéos live, on dit que c'est beaucoup mieux en live que si c'était simplement stocké sur une plateforme et qu'on puisse pas interagir. Donc là, on va faire tous les petits rivets qui traînent ici. Donc on va faire une base. Putain, je sais pas combien il y en a, mais il va y en avoir beaucoup. Donc là, on va essayer de clean le plus. Mais je vous rappelle encore une fois, parce qu'il y en a qui se level un peu. Ce n'est qu'une figurine de jeu, hein. On n'est pas là pour faire une figurine de concours. Ce n'est simplement qu'une figurine de jeu qui ira mourir dans un premier temps dans une vitrine et après qui ira s'amuser sur sur notre plateforme de jeu. Alors, il n'y a pas dérivé partout. Ça va être un peu plus fin ce qu'on va faire. De toute façon, c'est tuto avancé, donc c'est normal. Ce sera beaucoup plus fin. Ok. Et donc, on va récupérer ça pour finir dessus au gris-ciel. Donc, on va s'occuper de l'armure du visage. Alors, le visage, comme on a dit dans la partie 1, il est assez compliqué. Il n'est pas ressorti comme le sculpteur le voulait. Le sculpteur, d'ailleurs, était là, d'ailleurs. Il était sur le live. Là, on fait un petit 50-50 des deux pour pouvoir faire une base déjà sympathique. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a qui ont été... Ici, il devrait y en avoir deux, je pense.
Mais ils n'ont pas été mis, donc on va les faire. Il est tombé sur la trace de moule et je pense que ça s'est pas fait. Donc là, on continue à travailler. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement la peinture de jeu que nous on propose au Studio 9. Hein. C'est le minimum qu'on fait. On ne fera pas plus bas. Si on pourra faire à peu près la première partie de vidéo, mais on essaye de faire quand même quelque chose d'un peu plus qualitatif. La première vidéo est vraiment pour vous aider, vous. Terrain ici. On va s'empresser de corriger si c'est pas trop sec. Il faudra que je la corrige. Hop. On va refaire dans ce cas-là. Donc là, on est sur du gris ciel pur. Et leur travail, justement, ces rivets. Un peu trop gros. Voilà, on enlève. On va reprendre encore notre gris ciel pour commencer à rééclaircir de plus en plus, que ce soit ici les métaux que vous avez vus sur les côtés, que le reste ici. Donc là, on va faire notre lumière. Alors un peu plus large, c'est pas très très fin, le but c'est d'être quand même assez large sur l'effet de lumière. Alors attendez, je vais peut-être retravailler un petit peu le zoom. Surtout la mise au point. Donc je suis avec mon double 01. Double 0 de Windsor. On travaille aussi les rivets. Donc le but est va être ici de rendre de plus en plus lisible le métal. Alors là, un peu flou à l'écran, mais ça, c'est le problème de la caméra. Je n'ai pas un matériel assez high performance pour pouvoir justement faire des vidéos de meilleure qualité. D'où pourquoi justement j'ai lancé mon Patreon, ce qui me permettra de justement pouvoir vous proposer encore des streams de meilleure qualité, des tutos de meilleure qualité, parce que le tout est quand même pas donné, hein. Moi, j'ai juste des caméras de stream simples.
Ce qui est bien avec le gris, alors bien et pas bien, c'est comme l'ivoire en fait, le gris ciel. Bah, tout ce qui est clair en fait, chez PA, si vous êtes obligé de passer plusieurs couches pour que ça sorte de la couleur que vous voulez, mais ce qui est bien aussi, donc ça c'est un défaut. Et ce qui est bien, c'est que ça vous permet donc de faire des super jolis dégradés en fait. Alors on est parti. Ça va être tout de suite beaucoup plus fin que habituellement. Ça, c'est surtout dû à la sculpture, hein. C'est très très fin. Et je vous rappelle encore, parce que j'ai des petits messages aussi qui me disent, ouais, mais bon, on peut mieux peindre et tout. Oui. On peut mieux peindre dans un laps de temps plus grand, on peut mieux peindre, oui. Mais là, je suis sur que deux tutos et on est sur du tutoriel. On n'est pas là pour montrer des trucs complètement insane qui sont infaisables. Donc, je vous montre vraiment ce qui est possible de faire. Petite erreur. On va enlever. En plus, moi, ça me prend juste 4 heures de mon temps. Ce qui est déjà bon quand même. Un nombre pas négligeable. Mais en tout cas, je remercie toujours tous les gens qui viennent m'envoyer des petits messages sur le net, etc. C'est vraiment très gentil. Et qui me disent qu'ils n'osent pas parler sur le chat, qu'ils préfèrent m'envoyer des MP. Donc là, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Je vous laisse regarder tout seul, sans vous embêter. Alors, on va travailler le bord ici. Bah pour ceux qui me demandaient de voir le visage un peu plus en zoom, bah là vous l'avez, j'ai zoomé un petit peu plus. On travaille le tout aussi. Alors ce qui est bien, comme je l'expliquais avec le gris, c'est que vous pouvez faire des choses très très fines. Qui vous permet de travailler un peu plus, on va dire entre guillemets, proprement. Le fait que ça marque moins, ça vous permet de faire quelques erreurs et les corriger, mais ça vous permet aussi de faire des jolis dégradés. Oui, normalement, il devrait y avoir un rivet, mais il n'a pas été sculpté, donc je vais le créer. Ben, il n'a pas été sculpté, il a dû être sculpté. Rémi, il a dû le faire, mais je pense que c'est pas ressorti. Un casque de pompier qu'elle a, c'est rigolo. Casque de pompier américain. Là, je travaille avec le flanc de mon pinceau, des poils pour travailler juste l'arête. Voilà. Alors ici, faire des traits. Comme des impacts, pour un effet de métal usé. Là, vous êtes en zoom, hein, donc quand vous l'avez en main, c'est beaucoup plus propre et clean. De toute façon, c'est des figurines, hein, de cette qualité-là. En peinture, c'est des figurines qui se voient, on va dire, à on va dire 30 cm à peu près.
Avant, ça sert à rien de regarder. Je vous rappelle encore que c'est de la figurine de jeu. On n'est pas là pour faire du concours. Alors, on va travailler. Alors ici, on ne va pas faire les traits complets. On va faire quelques zones. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Non, hop, je remets ma fille. Ça va être une des parties qui va être compliquée à faire. À cause de la sculpture qui était trop, de l'impression qui était trop faible. Papadam. Rien que ce côté-là, déjà on a mis, ça s'est complètement atténué. Ok, nice. Donc là, on redéfinit le volume avec le gris. Bon, ouais, c'est cool. Commence à apparaître. Moi, je n'invente absolument aucune technique, hein. Je vous montre juste une astuce. Cette figurine. C'est pour ça que j'en fais plein de différents. On m'a demandé encore si j'allais faire du Space Marine ou de l'AOS ou autre. Peut-être, je sais pas. Là, j'ai des figurines d'amis que j'aimerais bien mettre en avant aussi, avec un petit tuto. Mais pour l'instant, je sais pas. Mais le fait que je fasse beaucoup de Zombicide et de Massive Darkness peut intéresser beaucoup plus de monde, parce que on a des kilos plastiques qui traînent dans les placards. Et on ne sait pas trop comment faire, comment les peindre ou de se donner le courage de le peindre. Et donc je dis que déjà de toute façon, moi j'allais repeindre tous les miens. Bah pas repeindre, mais peindre tout court. Et le fait de vous faire en même temps un tuto, peut-être bien, toujours partager son expérience. C'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que j'aimerais que les gens... se rendre compte de ce que je partage. Excusez-moi, je réfléchis à l'étape d'après déjà. Nice. On continue. Bon, c'est presque du non métallique, mais ça n'en est pas. Parce qu'ici, on ne va pas faire un clinage de fou. Ça va pas être très très lisse. Ça va pas être. Bah, lisse, ça l'est, mais ça va pas être un rendu lisse, chrome. C'est pas du tout le rendu qu'on veut donner ici. Pareil, on va travailler beaucoup les linings. Comme toutes les deuxièmes parties. Hein. Ici, on va pas être sur un dégradé parfait avec un point blanc comme on peut faire sur le no métallique, non pas du tout. On est sur une approche plus, on va dire, graphique et beaucoup plus simple à réaliser que quelque chose de trop lisse. Et il y a assez de tutos sur le net. Même si on m'a demandé encore, je l'avais pas dit dans la vidéo d'hier, on m'avait demandé de faire des tutos pour faire du rackham. Alors ça, c'est beaucoup demandé. Je ne vais pas m'y tarder, même si bah, vous avez déjà vu mes réalisations. Justement, le fait que je monte une chaîne comme ça, c'est pour pouvoir peut-être permettre donc de récupérer un petit peu d'argent pour récupérer la caméra et pour pouvoir faire des tutos justement un peu plus haut de gamme, donc avec du rackham, et ce sera avec les peintres officiels, avec Martin, donc un ami à moi, Martin Grandbarbe, qui va donc lancer normalement sa chaîne Patreon dans quelques temps. Donc je vous spoil un peu, mais il faut qu'on mette un petit peu d'argent de côté pour pouvoir justement faire le setup de choix de fou. Et là, il y aura du full rackham si vous êtes un grand fan.
Moi, je pourrais vous montrer la façon simple d'en faire et d'assez bonne qualité. Et il vous montrera les peintures complètement officielles, tous les mélanges officiels, etc. Mais c'est pas pour tout de suite, quand on vous dit c'est un investissement. Donc moi, j'arrive un peu on va dire, je défriche le tuto pour un petit peu pour mettre en avant tout ça et voir un petit peu comment la communauté elle répond. S'il n'y a pas de, bah, s'il n'y a pas de, comment ça s'appelle, s'il n'y a pas de spectateurs pour ça, bah, on va pas le faire, hein, tout simplement. Mais ça m'étonnerait fort, en fait, parce qu'il y a tellement de demandes de ce style de peinture qui est encore ultra demandé, alors que ça fait 15 ans, oh, plus que ça, 16, peut-être 18 ans, oh, peut-être même plus, presque 20 ans que la licence s'est arrêtée. Même s'il y a des gens qui ont repris derrière et qui ont fait que de la merde. Excusez-moi, hein, si vous êtes sur le chat ou vous regardez, mais vous avez fait que de la merde. Voilà, c'était pas bien. Alors je vois qu'il y a plein de personnes qui reprennent le flambeau. Par exemple, Sylvano Harvey qui fait des très très jolies choses, qui essaye de faire avancer la communauté. Des sculpteurs qui essayent de récupérer un petit peu tous ces designs pour essayer de refaire leurs figurines. Les figurines qui étaient sur des concepts, etc., etc. Mais ça devrait arriver. Alors ça devrait arriver. Nous, on va vous mettre en avant justement toutes ces peintures de l'époque, qui sont quand même beaucoup, beaucoup demandées. Mais c'est pas pour tout de suite. Faut qu'on investisse dans du bon matériel. Et comme Martin et moi, on veut que les qualités des images soient au top, bah, on est obligé d'investir. Salut LSD. On est obligé d'un petit peu investir dans du top et on la mettra directement dans les locaux, dans ses locaux à lui. Donc ce sera un set qui ne bougera pas. Et comme ça, on n'aura pas besoin de tout déménager. Et que moi, de mon côté, là, ici, dans le studio, qu'on puisse mettre aussi en avant des maxitures, des créatures, des trucs beaucoup plus grands, des grandes tables de jeu. Mais tout ça, c'est de l'investissement parce que, bon, nous, c'est notre métier, donc c'est compliqué à mettre de l'argent de côté pour investir dans notre hobby qui est devenu notre travail. Hein. Mais c'est dans cette période, c'est vraiment compliqué. Donc on essaye et on va arriver dans pas très longtemps, mais il faut attendre un petit peu. Pareil au studio, il y a bientôt la création d'un jeu qui va arriver. J'ai déjà fait toutes les règles, j'ai déjà tout écrit. On a quasiment plus d'un an et demi de scénario. Mais pour l'instant, c'est comme tout. Faut pas se précipiter. Bien réfléchir à tout ça. Bon, on a fait notre grille. On a mis en avant. Bon, c'est toujours un peu flou, hein, si vous inquiétez pas, ça c'est normal. C'est la peinture qui donne comme ça. Donc là, on va retravailler en faisant. Vous avez vu ici, on a des métaux qui sont un peu plus bleutés. Voilà. Et ben justement, on va le faire tout de suite. On va mettre notre glacé bleuté dessus. Donc un glacis. Et on va prendre notre bleu moyen qu'on va diluer. Pouvoir le poser comme un filtre sur la zone qu'on a déjà éclairée. Alors ça, c'est une technique que je montre beaucoup à mes élèves qui ne maîtrisent pas encore, entre guillemets, le no metallic clean. Donc je leur dis de faire leur dégradé juste en dessous et mettre des filtres par-dessus. Et c'est beaucoup plus simple. Et le rendu est vraiment bien. C'est assez rapide. Ah, j'en ai peut-être mis un peu trop mis. Voilà. Donc voilà, ça va être très très fin. Donc on va recouvrir par-dessus. On va faire un glacis sur la zone qu'on a dégradée. Alors problème du zoom, hein, c'est que quand je bouge la main, des fois ça sort du cadre. C'est un peu le problème du zoom vertical comme ça, là, la caméra au-dessus. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas un appareil photo, une caméra qu'on peut mettre un peu plus sur la droite et faire des zooms sans bouger, sans trop bouger, bah, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Donc voilà, on commence à faire le métal bleuté. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des dégradés de fou, vous les faites juste avant vos dégradés, et après vous passez un filtre. C'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus vite. Et ça permet de super bien lisser votre figurine.
que quand vous mettez des petits glacis comme ça, vu que les pigments sont assez dilués, ils vont aller se mettre entre les autres pigments, comme si c'était du sable qui se mettait dans des creux, et finalement le médium va se mettre au-dessus et va solidifier tout ça et donc va lisser. Et donc vous pouvez faire des nœuds métalliques dans ce style-là. C'est pas des vrais, mais ça s'y approche assez facilement. Là, on refait ici aussi. Donc pour ceux qui ont vu la première partie, il y avait donc le sculpteur officiel qui était là, on a discuté tout le long du tuto, qui expliquait que c'était très compliqué, qu'il avait galéré à sculpter cette figurine, et que le rendu n'était pas top en fait, malheureusement. Ça, c'est un peu le problème des sculpteurs manuels. Alors cette figurine a été sculptée entièrement à la main, en taille 1-1, donc cette taille-là, la taille demandée. Et voilà, donc il a dit que c'était un peu compliqué. Moi, je le vois de toute façon que ici, à la peinture, je vois qu'il a vraiment galéré. Il y a des choses qui sont trop petites, qui sont quasiment pas peignables. Il y a des choses qu'il a tenté de faire, mais malheureusement, qui est pas passé à la prod, hein. Ça, c'est un peu le problème de la prod. Alors moi, j'ai fait un peu de prod de figurines. Vite fait, pas très longtemps, et donc je sais la complexité de pas dénaturer de la sculpture, c'est toujours un peu compliqué. Donc on va reprendre toujours ce petit bleu là et on va s'occuper des rivets. Si vous voyez, les rivets sont pas blancs, ils sont bleutés. Justement, c'est l'illustrateur a équilibré les couleurs entre ces métaux, et donc on va aller travailler en glacis sur les rivets. C'est dommage que le passage en moule métallique pour faire du plastique comme ça, ça a altéré la sculpture, c'est vraiment dommage. On va peut-être repasser deux fois ici. Je pense qu'on va repasser deux fois. Ces deux fois, je pense que c'est le mieux. Alors, si vous allez sur ma page YouTube ou sur la page du Studio 9, des commandes qu'on a fait et qu'on peut montrer, parce qu'il y a des commandes qu'on ne peut pas montrer malheureusement, qu'on ne pourra jamais montrer, parce que ça ne nous appartient pas, hein. Quand on est pro, on fait des visuels pour les professionnels du jeu de société ou du jeu de figurines, mais jamais en aucun cas on est bah, soit mis en avant, c'est normal, on est en bout de chaîne, c'est comme ça, faut le savoir. Alors ici, on travaillera pas, on mettra de toute façon tout à l'heure le câble que je vous avais expliqué. On travaille déjà tout ce qu'il y a ici pour après qu'on puisse fixer le câble entre là, là et là. Ça, on verra après, on ne fera pas tout de suite. Là, le bleu métal, on va pas s'en occuper. Ici, on va retravailler un tout petit peu en mettant quelques taches, justement, bleues. Si vous regardez bien, il y en a très très peu, hein. C'est très très diffus. Il y en a très très peu sur l'armure, mais il y a quand même des petits reflets, vous voyez. Vous voyez, comme dirait Monsieur Garrison. Hop! Et on va aller en poser des tout petits par-ci par-là pour éviter que cette couleur soit trop terne. Bon, la figurine est déjà lisse, hein, comme je vous avais expliqué. Je mets beaucoup de médium dans les premières étapes pour vraiment lisser la figurine. Vous avez vu, c'est très très, c'est très très fin. C'est tout simplement, ça s'appelle des glacis, hein, ce que je fais, sauf que c'est des glacis un peu plus ciblés que des zones complètes. Par exemple, quand vous faites une lame, vous travaillez une certaine zone à plat. Et là, vous avez un peu plus de relief. Donc les glacis, c'est pour teindre des supports, bah, teindre ce que vous voulez, donner une couleur, ou
atténuer, justement, dégrader. Et un wash est pour donner du volume, donc pour travailler dans les travailler et donner les ombres. Et après, vous avez des washs ciblés où vous faites des washs que dans un certain endroit avec une certaine couleur. Donc là, on continue. Là, ce qu'on n'a pas mis sur l'armure, c'est tous les dommages, toutes les couleurs un peu couleur terre qu'on n'a pas mis, toutes les taches que vous voyez là, on les a pas mis sur la première vidéo. Parce que c'est trop fin et ça aurait été trop brutal. C'est-à-dire que l'œil n'aurait pas compris vu que la figurine n'était pas clinée. Ça aurait posé un souci au visuel en fait. Donc on ne l'a pas fait, ça aurait fait trop fouillis. Donc on va le faire ici. Parce que pour que ça ressorte bien justement, toutes ces taches de marron ici, qui sont donc quelque chose de chaud. Il faut qu'à côté il y ait quelque chose de froid pour que ça ressorte. Et donc là, tant qu'on n'avait pas fait le bleu ou le gris, ce ne serait pas bien ressorti, ça aurait été complètement fou. Bon, hop. Je m'en mêle les pieds dans les câbles. On retravaille zone par zone. Tout en donnant des petites. Donc c'est très très fin, c'est quasi illisible. Alors là, vous voyez pas la caméra, ça pose, mais ça pose quand même. Regardez ici, je l'ai mis. Vous avez vu, c'est bleu. Ben là, vous l'avez bien vu, là, vous allez le voir aussi. Voilà. Et le but de faire tout ça, justement, d'éclairer avant, c'est que juste après, vous pouvez mettre des glacis comme ça. Et ça permet de je vous dis, teinter et de garder l'effet de multicouleur. Qui est vraiment, moi j'adore, hein, j'adore personnellement faire ça sur des petites zones plein de couleurs en mode glacé transparent et sur une armure en plus. Le fait que vous mettez plein de couches transparentes comme ça va donner un effet de brillance et donc c'est exactement ce qu'on veut sur un type d'armure. Donc là, on la donne un petit peu plus brillance et après, on va commencer donc on va continuer à la matifier à certains endroits en mettant une peinture qui sera plus mate que le support qu'on utilise, et donc à l'opposé, c'est-à-dire que notre métal va être bleu et donc froid, et donc brillant, et donc on va aller chercher autre chose, le contraire du bleu et du froid, ça va être et du brillant, ça va être du mat, et quelque chose de chaud, donc du orange. Donc vous avez le contraste des deux qui vont s'opposer, la brillance et la matification, et le fait que ce soit mat, et le froid et le chaud. Voilà, ça c'est des trucs à travailler sur les visuels de vos figurines. Alors après, ça c'est des très très grosses recherches, hein. Mais voilà. Donc là, on va pas travailler plus le métal que ça. En fait, je vous ai déjà vu, hein, moi je fonctionne partout. Là, il faut qu'on travaille le bleu. Donc le bleu ici, ça va être, comme je dis, on est un petit peu plus lancé, ça va faire un mélange. Donc notre bleu moyen de base, qu'on va éclaircir à l'azur. Donc l'azur qui est donc très très froid, mais qui a toujours cet effet bleu. On va pas mettre de blanc ni de gris ici. Le mélange va pas être bon et par rapport au visuel, on va plutôt aller chercher ce côté. Vous avez vu que dans l'extrême, vous avez ce rendu là, donc ce sera un mélange des deux. Donc, comme il est déjà dans la palette, on va utiliser de l'azur. Là, on n'a même pas fait les linings hein, sur la figurine. Hein. Donc, on va faire notre 50-50. Pareil, je voudrais bien avoir une caméra sur ma palette, mais moi j'ai une palette, comment ça s'appelle? J'ai une palette sèche, donc il y a plein de couleurs dedans. Et le fait de mettre une caméra dessus, ça peut un petit peu changer. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ouais. On va aller travailler la lumière au-dessus ici. On va retravailler les volumes de la veste. Bon, c'est cool, les plis ont été bien sculptés. Ce pas des plis qui sont des fois complètement contraires au pli naturel. Donc ici, on travaille le rebord. On n'a toujours pas changé de pinceau, on est toujours en double zéro. De toute façon, on va quasiment faire que du double zéro ici. Ah.
j'ai mis un petit plomb bleu. On va l'enlever normalement. Ah, mais il y avait un rivet. Ah non, je pensais que c'était un rivet. Donc on travaille de l'autre côté ici. Attends, il faut que je me mette bien pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, la caméra rend toujours un peu plus violent la couleur qu'elle ne l'est en fait. Bon voilà, on a tout le petit début des volumes. Et là, on va glacer avec complètement une autre couleur qu'on n'a pas utilisée en fait. On va faire comme le métal, c'est-à-dire qu'on va glacer d'une autre couleur pour rendre un peu plus, c'est-à-dire un peu plus s'approchant le plus de l'illustration, sans la copier, mais en la mettant en, pas sans la copier, si on la copie un peu malheureusement, mais sans la mettre en visuel 1D en fait. On est vraiment en train de la transformer en visuel 3D. Donc là, je vais faire un trait très très fin. On va les travailler en faisant des petits points, c'est beaucoup plus facile. Si voilà. Bon, on commence à s'approcher. Alors, là, on va aller chercher un peu plus loin. Que ça donne, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors ici on va glacer justement avec une nouvelle peinture. Alors normalement je l'ai ici, voilà. Alors je vous montre le pot d'origine. Donc voilà, ça va être de l'Exil Blue de chez P3, donc ce qui va ressembler énormément au foncé du bleu, mais comme je l'utilise tellement souvent, bah je l'ai mis moi directement dans un petit pot que j'ai fait moi-même, qui est un ancien pot d'FW, et on va glacer avec ça pour redonner la couleur qu'on cherche. Et vous allez voir, quand je vais la mettre dans le pot que je voulais la montrer, bah, je vais même vous la montrer sur mon doigt, elle est ultra ressemblant à la couleur de profondeur. Mais on ne l'a pas utilisé comme base parce que, comme je vous avais expliqué dans la première partie de la vidéo, on va foncer sur cette figurine, on va la foncer. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dans le dégradé de lumière que vous faites, je vais vous montrer le dégradé du bleu, tout simplement, on va travailler notre couleur de base qui va être celle-ci, on va aller l'éclaircir, puis après avec celui-là, on va aller glacer ces deux-là pour avoir le rendu comme ça, mais en ayant le dégradé. Et c'est voilà, comme on fonce en fait, on va utiliser, on fait notre dégradé avant de donner la couleur finale en fait. Donc là, voilà, on va chercher notre glacis. Donc là, c'est un glacis, c'est pas un wash, hein. Ici, on est là pour teinter le support et donner une couleur au support. Donc les glacis, ça va être plusieurs passages assez dilués pour pouvoir justement atténuer les transitions tout en gardant la teinte qu'on recherche. Ah, c'est un peu mieux déjà. Je dis ça un peu déjà. Pour certains déjà, c'est peut-être déjà trop. C'est que de la figurine pour jouer. C'est même pas de la figurine. Bon, après, ça sera dans les vitrines du studio. Donc, les gens, quand ils viennent au studio et qu'ils viennent prendre des cours ou qu'ils viennent regarder visiter le studio, ils aiment bien mettre la tête dans les vitrines. Donc, autant faire quelque chose qui a de la gueule. donc, voilà. Donc, ce mélange qu'on a ici maintenant, on va l'éclaircir avec celui-là. Parce que comme vous avez vu, les éclaircies sont de cette couleur-là en fait ici. Alors vous le voyez, ça sort pas très bien, mais en fait, c'est toutes les couleurs d'éclaircies ici, là, sont cette couleur-là.
Donc maintenant qu'on a teinté notre support et qu'on a fait entre guillemets notre base de notre peinture, on va l'éclairer. Alors est-ce qu'il me reste? On va finir par l'éclairer. C'est un peu plus froid et ça donne un effet un peu plus tisse, comme du tissage en fait. Parce qu'il est très très mat, comment s'appelle? Cette peinture, l'azur. C'est dire que j'ai la caméra dans la tête. Un peu compliqué de peindre là. Pareil, si vous voulez matifier un tissu, vous faites du trait par trait dessus. Vous faites plein de petits traits, vous allez voir que vous allez matifier la figurine. Elle va te rendre très mat. C'est normal parce que vous posez plus de pigments que le médium. C'est comme si vous faisiez des poses de pigments en fait. Moi, c'est vraiment l'étape qui me plaît le plus en fait. C'est-à-dire rehausser toutes ces couleurs. Vraiment, je kiffe, quoi. Donc là, vous avez compris, l'effet glacé, ça donne un effet encore un petit peu plus satiné. Et donc, ça donne un effet un peu plus réaliste. Ah, c'est plutôt cool, là. Alors ici, je me rappelle, je vais en profiter que j'ai le bleu, qu'il y a le tour ici. Qui est bleu. Donc j'ai pris directement mon mélange, le plus clair des deux, parce que comme la zone est plus petite, il faut absolument faire des gros contrastes, donc autant prendre dans le dégradé. Que j'ai fait précédemment, prendre le plus clair, puis après le foncer. C'est beaucoup plus simple. Bah, beaucoup plus simple, c'est une étape qui est plus facilement abordable. Je suis pas fan de moi des figurines autant zoomées. Hein. Ça dénature un peu le vu, en plus le zoom en lui-même vous rend pas faire service quand vous peignez. Bon, le bleu me paraît bien. Donc ici, par rapport à l'illustration, on est obligé de contraster beaucoup plus parce que la figurine est beaucoup plus petite. Et beaucoup plus petite. Donc pour la contraster, pour pouvoir voir tous les détails. Ok. Bon là, le bleu est plutôt pas trop mal. On va s'attaquer au vert. On va s'attaquer au vert. Donc le vert ici est un mélange d'un vert et d'un gris foncé. Donc ici, notre vert il est de base, sauf que si vous voyez bien, le vert ici il est un peu plus jaune et là il est un peu plus blanc. Donc je vous rappelle. C'était cette couleur là qu'on avait. Ok, donc on va décaler là. On va le foncer avec le gris olive, mais surtout on va faire la même chose que précédemment, on va l'éclaircir d'une autre couleur. Donc on va éclaircir notre gris pierre. Où es-tu, gris pierre? On va le mélanger avec notre gris pierre. En fait, c'est à peu près la même intensité de mélange que celui-là, mais en vert. En fait, il fait très blanc la caméra, mais en fait, il est assez, on va dire, un peu verdâtre. Mais tout en étant un peu plus chaud que si vous prenez du vert pâle qui est beaucoup plus froid. Là, je vous dis, on fait un éclaircissement et après, on va assombrir. Donc, ça va être la même chose, ça va être assez violent, bien sûr, sur l'éclaircissement, c'est normal. Une petite figue. Putain, les plis sont encore nickel de ce côté-là, il n'y a pas d'erreur de plis.
Donc on tire la peinture ici. Hop. Profite pour faire les flèches qui sont du même ton. Donc là, on voit bien que c'est deux robes, que c'est une robe en fait. Là, on voit beaucoup mieux. Pareil, le ton du vert ici est exactement le même. Donc, on va travailler dans un premier temps le bord ici, vraiment jusqu'au bout. Ouah, putain, c'était chaud là. Pareil dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez là? C'est un peu compliqué de vous montrer là. Et comme c'est du cuir, on va faire nos traits dans ce sens-là. Et on va de plus en plus retirer le pinceau. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez appuyer, puis vous allez retirer de plus en plus le pinceau tout en descendant. On descend et on retire le pinceau. Et donc ça fait un dégradé beaucoup plus simple à faire et rapide à faire. Donc pareil ici, ça va matifier, c'est normal. Le fait qu'on fasse des petits traits avec un pinceau fin. Il faut pas les regarder en zoom, hein, les figurines. Donc là, je sais pas sur quel support d'écran vous êtes, mais bon, encore un téléphone portable, ça peut aller. Par contre, sur un écran, c'est un peu trop. Donc ici la même chose, mais on va le faire dans l'autre sens. Vous allez le grader dans ce sens-là. Et ici, on va le faire dans l'autre sens. Comme un, si vous voulez, comme un métallique. Comme un non métallique, mais on va le faire dans l'autre sens pour pouvoir la regarder comme une sorte de diamant, en fait. De facette de diamant. Là, si vous préférez, c'est une sorte de début de non métallique. Voilà, c'est cool. Là, on a le premier dégradé qui sont plutôt pas mal. Bon, ça, c'est bien. Je vais remettre un peu plus de gris-pierre pour éclaircir encore plus mon trait. Voilà. On retravaille les zones qu'on a déjà travaillées, mais en ne repeignant pas entièrement les zones, juste en retravaillant les zones, justement, et en prenant que les zones les plus éclairées. Ah, c'était trop ça. Oups, ça c'était trop, on va enlever. En fait, c'est la même technique que je vous ai montré précédemment, là, sauf qu'on change de couleur. Toujours dans le même rendu d'éclaircie, dans le même, on va dire, dans le même pourcentage d'éclaircie entre le gris azur et là le bleu très clair. Et donc là, on va faire comme l'autre, on va travailler avec le bout de notre pointe. Voilà, pour faire ressortir ça. Alors. C'est pas trop mal. On aura le plastron à retravailler en noir aussi. Et donc on va prendre notre gris olive, hop, qui est donc le foncé qui est là. Donc c'est pas noir, hein. C'est vraiment pas noir, c'est vraiment une sorte de gris très foncé. Et donc on va pouvoir retravailler tout ça. Donc on va faire la même technique que l'Exit Blue. On va donc le mettre en glacis.
Donc c'est un verre très militaire, hein. Vraiment très très militaire, je vous montre. C'est un verre très très militaire. Et donc, c'est ce qu'il faut. Là, tout ce que vous voyez qui est un peu foncé en noir, de toute façon, on le travaillera un peu plus tout à l'heure vers la fin du tuto, justement pour en glacis, pour pouvoir refaire nos ombrages un peu plus pétants, juste avant nos linings en fait. Elle dilue, elle est un peu plus chiante par contre celle-là. Donc là, on va retravailler sur la fille. Alors, je suis pas un fan des figurines zoomées. Hein. C'est, je vous dis encore, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Ça dénature complètement la dimension de la figurine. Vous pouvez pas faire des détails qui ne sont pas visibles à l'œil nu en fait. C'est, ça n'a aucun intérêt. Donc là, on va tirer la peinture par ici. Voilà. C'est un glacis, hein, c'est tout simplement un glacis. Donc vous avez dû voir sûrement des tutos de gens déjà le faire. Du type Dimitri ou les autres le faire. Vous apprendre comment utiliser, même si c'est des techniques qui existent depuis longtemps. Mais je vous les montre un petit peu ici. Moi, je les mets en application sur une très courte période de peinture sur une figurine. Là, par contre, je vais accélérer le séchage. Ok. Alors, je le fais sur les glacis, je ne fais pas de séchage sur les wash parce que ça va décaler votre comment ça s'appelle? Ça va déplacer un peu le médium et ça va pas aller. Ici, il n'y a pas de médium, c'est juste de l'eau. Donc, au séchage, c'est bien parce que vous posez les pigments. Et quand vous diluez à l'eau et que vous posez les pigments et que vous séchez, ça va rendre un peu plus mat. C'est normal parce que le médium étant dilué dans l'eau, vous avez dilué la mécanique de votre peinture avec de l'eau. L'eau va être séchée très rapidement et elle va emmener le médium avec elle. Et donc ça va matifier votre figurine. Et là, c'est ce que je veux sur ce tissu-là qui est de toute façon un visuel de tissu en laine et pas du tout brillant en fait. Donc on va repasser une deuxième couche. Alors je suis toujours dedans. Je suis toujours dedans. Vous avez vu, c'est très très fin. Hein. C'est quasi invisible. Mais justement, c'est la succession de couches qui vous permet d'avoir après des rendus très clean, très propres, avec des petits reflets que des fois vous ne comprenez pas d'où ils viennent. Et en fait, c'est justement toute cette technique qui vous permet de la comprendre et de l'utiliser. Et après, bon, voilà, on est sur la figurine simple, hein, on donne quelque chose d'un rendu. On est là pour un rendu de jeu, on n'est pas là pour faire un truc de concours. Mais j'évite de dépasser, allez, maximum 10 heures sur une figurine. Là, les figurines tuto que vous avez, j'essaye de ne pas dépasser 4 heures pour que vous puissiez le faire vous-même. Parce que tout le monde n'a pas 10 heures à cramer pour faire une figurine. Ouais, c'est chaud. Et voilà, alors là je vous montre justement les deux techniques. C'est-à-dire que ici vous avez à gauche un rendu qui est beaucoup plus mat parce qu'on a fait un glacis avec de la PA, donc de la France Auguste. À droite c'est un peu plus brillant parce qu'on a fait un glacis avec une peinture plastique. Donc une peinture plastique ça va être du P3, de la Gems, etc. Mais après ici il n'y aura pas de souci parce que quand on va tous les deux... Les wash et on va travailler les ombres plus tard. Tous les deux vont être atténués de la même manière, le rendu sera de la même manière. Sauf que vous voyez que par exemple un glacis fait avec une certaine peinture et un glacis fait avec une autre peinture ne donnent pas le même rendu. Pourtant c'est la même technique. C'est pour ça que la mécanique de la peinture que vous prenez diffère de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire avec, vous prenez trois peintures, vous n'allez pas avoir le même rendu. Donc bien savoir ce que vous voulez donner. Ici, on va s'attaquer au gant. Donc, au gant, ce qui nous permettra, ici, vous avez vu les reflets du gland, du gant, des gants ici, qui sont les mêmes que là. Donc, on va pouvoir travailler toutes les impacts de terre sur l'armure, les gants ici qui sont les mêmes reflets, et donc en bas. Donc là, on va travailler toute la même peinture sur toute la figurine.
Donc on va utiliser le terre foncé. On va ici même pas chercher à diluer dans un premier temps sur les gants, mais qu'on diluera après pour le mettre sur comment ça s'appelle, sur le casque et ben, sur l'armure en elle-même. Voilà, c'est pas le bon pinceau. Pareil, c'est terre foncé en fait, et le terre foncé était extrêmement mat, donc vraiment travailler à parcimonie, parce que c'est, si c'est pas le rendu que vous voulez, c'est pas, c'est compliqué de travailler avec une peinture qui donne pas le rendu que vous voulez. Alors on va travailler comme ça. On va repasser plusieurs fois. Si on va tapoter pour aller chercher la texture sur un objet cylindrique, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, c'est bon. Alors ici, on va réaccentuer parce qu'on le voit sur le dessin. Donc on va réaccentuer justement entre les métaux. Et là, pareil ici, on va remettre après un glacis de la couleur de base pour justement rendre ces effets de coups de pinceau un peu plus dilués. Et voilà. Alors le fait qu'on fasse des petits traits et qu'on glace comme ça donne un effet assez cuir. Donc là, pour les gants, c'est cool. Pour la tunique en elle-même, les couleurs de deux tuniques, c'est pas très bon. C'est pour ça qu'on va, après, on va l'assombrir justement, et on va casser avec du, avec justement un wash qui a donc un médium beaucoup plus mat. Et donc le médium beaucoup plus mat va rendre un tissu, on va dire beaucoup plus l'effet cousu, comme si c'était de la laine ou autre. Donc là, on va passer plusieurs fois. Hein, c'est l'étape où. De couleur, on va profiter en bas pour accentuer l'effet de tissu, d'espèce de tissu moumoute, je sais pas trop ce que c'est, on dirait de la laine. Alors, ok, c'est bien. Donc là, on va retravailler la flèche, que la flèche est de cette couleur-là. Ici, il y a la pointe, on la travaillera d'une autre couleur, parce qu'elle est bleue. Là, on la fera plus tard. Normalement, cette couleur-là, elle est travaillée sur la ceinture-là, mais là, je ne la vois pas trop. Donc, je crois qu'elle est là. Voilà, elle est ici, je l'ai trouvée. C'est vraiment tout au fond, non? C'est vraiment. Voilà, là voilà, on l'a trouvé. Celle-ci que vous voyez ici, là. Hop, excusez-moi, celle que vous voyez là. En fait, elle est planquée dans le fond. Alors, on ne l'a pas peint dans la première partie, parce qu'en fait, elle est trop fine. Ça, si vous voulez juste peindre pour jouer vite fait, ça n'a aucune espèce d'intérêt de peindre quelque chose qui est tout en profondeur là-bas. Là, on va donner ces petits effets. Ici, on tapote et là, on fait des traits. Hop. Donc là, voilà la tige de notre bois. Okay. Il est où là dans notre palette? Il est là. On va retravailler aussi ici, donc c'est la même chose que ce qu'on n'a pas fait là, devant. C'est-à-dire qu'on a mis la base, mais on n'a pas fait l'éclairage, et l'éclairage était donc cette couleur-là. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de peindre, on va dire clean, vraiment vous texturez la partie. Vous allez voir avec l'effet du foncé. Le fait que le dessous soit foncé, ça va très très bien marcher, ça va absorber la peinture et ça fait une texture. Voilà, ça suffit largement, c'est très rapide.
Ça suffit largement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et sur notre carquois, on ne va pas laisser la même couleur que la tunique. Hein. Donc, on va poser du pigment. On va diluer un peu et on va travailler pour donner un effet usé. En évitant d'aller dans les creux, on va essayer de garder les traits noirs qu'on a fait là. Voilà, on va refaire la même chose de l'autre côté. On va poser notre pigment. Alors, il faudrait bien que je prenne un peu plus de peinture. Ben alors. Oui, c'est normal, je prends dans la palette pour bon endroit. Donc là, on va poser du pigment. Voilà. On va le laisser sécher, on va le laisser poser et après on va la travailler. Ici, il ne faut pas trop que ce soit éclairé vu qu'il y a un ombrage. On va enlever le rebord, voilà. Hop, et quand vous le remettez à l'endroit, bah voilà, vous avez une texture qui est faite assez simplement, assez rapidement et qui ne vous prend pas trop de temps. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Pareil, on va retravailler la zone ici du sac. On prend la même peinture. On va faire un plat avec notre pinceau. Regardez, hop. Vous voyez, ça donne un plat. On va travailler le plat et on va toucher juste avec le plat ici pour travailler juste les arêtes. Vous ne peignez pas entièrement tout l'entourage. Voilà. Vous faites juste les zones. On vous rappelle que là, logiquement, c'est une sorte de, comment on peut dire, c'est du cuir un peu usé. Donc il n'est pas vraiment de la même couleur. Donc là, pareil que l'autre, on va texturer un petit peu. On va profiter pour en mettre partout. Et on va travailler ça. En faisant des petits cercles. Ça me paraît pas mal, non? C'est cool. On n'oublie pas. Voilà. On n'oublie pas non plus le côté. On va mettre ici. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est bien. Ah, c'est cool, ça suffit. Ça suffit. Oh, il y a une trace de moule là, juste ici là, que je n'avais pas vu. On en profite qu'on a la peinture. Alors elle est où là? Elle est où? Alors on va enlever. Et on la corrigera quand on fera le métal. Voilà. Là, j'ai un petit peu demandé, tac. Alors on a fait ça, ça, ça. On a maintenant tout ce qui est ici qu'on n'a pas travaillé. Donc là, vous pouvez le voir, que vous avez différentes couleurs. Donc toujours avec la même couleur qu'on a, toujours notre terre foncée, qui est utilisée énormément par les illustrateurs pour éclairer beaucoup de tissus. On va reprendre notre peinture de base qui était donc camo allemand brun foncé. On va mélanger en 50-50, comme vous avez vu le mélange qu'on a fait tout à l'heure avec le bleu. Cette fois-ci, on va le faire. Ça va vous donner quelque chose comme ça, qui va ressembler énormément
à la couleur que vous voyez en fait. Alors hop, on va pousser tout ça. Et on va aller travailler donc la superficie. Donc là, ça va commencer à être beaucoup mieux. On va voir des choses qu'on n'avait pas vues. Donc c'est clair que bon, c'est quand même vachement subtil, mais vu qu'on va la éclaircir après, ça va vraiment donner un vrai cachet à votre figurine. Et après, hein, tout simplement, ces techniques que je fais là, je vais les améliorer, les affiner pour arriver jusqu'au rendu que je veux pour faire de la peinture pro, hein, du rendu pro, on va dire du rendu vitrine. Ce sera la même base de technique, mais travaillée plusieurs fois et en affinant au fur et à mesure. Et donc en gros, moi, une peinture professionnelle pour de la vitrine, on est sur une dizaine d'heures à peu près. Au moins. Et après, si la figurine est un peu plus massive, ben, ça change. Hein. Donc ici, on fait déjà un rehaussement. La lumière de ce tissu, et on va encore rehausser la lumière dessus. On va toucher en bas, c'est cool. Ok, donc ce petit mélange 50-50 qu'on a fait, on va le mettre sur notre métal. Attendez que je reste dans la caméra. On va le mettre sur le métal qu'on va éclaircir après. Voilà, qu'on va éclaircir ou pas, ça dépend du rendu qu'on va donner, mais normalement. On devrait au moins l'éclaircir une fois pour donner tous ces effets que vous voyez là qu'il y a sur l'illustration. Alors on n'a pas pris directement la couleur comment s'appelle terre mat tout de suite parce qu'en fait ça aurait été beaucoup trop clair. On va passer déjà par une étape de salissure avant de l'éclairer. Bon, c'est sûr que c'est subtil, mais bon, ça donne toujours des rendus bien cool. Les rendus finaux sont vraiment toujours top quand vous appliquez et que vous voulez pas aller trop vite. Donc vous avez vu, j'ai peint quelque chose de propre avant de faire du sale et pas faire le contraire. C'est dans la logique des choses. L'armure, avant qu'elle soit sale, elle est propre. Donc peignez-la propre dans un premier temps et après bah, vous la salissez. On va reprendre ici. Vous allez voir que ça fait très 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 illustration en fait, le fait de faire ça. Si je mets un peu plus gros. Pareil là. Ici, on a une lanière aussi qu'il faudra qu'on fasse. Hop. On va retravailler cette zone avec justement cette fois-ci la couleur directe terre foncée. Donc on va retravailler sur ce qu'on vient de mettre en foncé en fait pour éclaircir la zone qu'on a salie.
Ah, ce visage, il est compliqué quand même, hein. Il interpelle. Parce que rendre quelque chose de visible avec plein de teintes de couleurs différentes, ça fait comme si vous faisiez un camouflage finalement. Et donc c'est très 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 compliqué. Donc il faut vraiment bien délimiter votre surface, bien délimiter, bien donner les volumes avant de commencer avant de se faire cette technique en fait. Il y a des choses qui n'apparaissent pas à l'écran par contre. Et vu que là on voit qu'il y a encore le rouge qu'on avait mis. J'en ai plus, je vais en remettre un peu. Mon atelier, bah, si vous me voyez, il est vachement plus haut, il est très très haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de diminuer un peu. Voilà, mon atelier est vachement haut. C'est-à-dire que mes bras, ils sont sur les accoudoirs ici. Il est vachement haut, ça permet d'éviter d'avoir mal au cou et mal au dos. Comme les bijoutiers, en fait. Je suis en train de faire quoi? Ah oui. Donc là, ça casse un peu les volumes, comme une sorte de camouflage, ça cache un peu les volumes, mais ils vont être retravaillés après, avec justement l'ombrage. Combien de temps qu'on... Ah, ça fait déjà 1h15 qu'on est sur la figurine. Et donc, on la reprend comme tout à l'heure, on avait fait. Donc c'est sec. Pour revenir ici sur les zones qu'on avait éclairées. Comme il y a sur le dessin. Un peu vite, essayer d'accélérer un peu. Se trouve travailler ici le haut du buste. Si on triche un peu sur la texture, juste pour que le buste soit beaucoup plus lisible en fait. Sur les gonds, on n'a pas besoin. On va aller chercher beaucoup plus haut les éclairages, qui est plus cette fois-ci un éclairage qu'une texture. Après, on travaille le bas ici. Bien finir la délimitation du tissu, sinon il devient flou et si vous voyez pas, il se confond avec le tissu d'en dessous. Là, c'est pas le but, c'est vraiment montrer que c'est deux tissus différents, ou deux matières, tout du moins deux matières différentes l'une sur l'autre. C'est un peu mieux déjà. C'est dommage qu'elle soit pas ressortie mieux cette figurine. On aurait pu bien rigoler avec. Alors. Ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. On va voir notre côté ici d'ivoire à faire. Toujours avec la même couleur. On va diluer. Et on va le mettre en wash cette fois-ci. Sur la zone d'ivoire, couleur d'ivoire qu'on avait donc ici aussi. Justement casser un peu cet effet un peu trop blanc et en mettant dans une couleur un peu plus chaude. Putain, il y a... Ouais, c'est ce que je pensais.
Vous allez voir que le volume va être un peu plus lisible. Alors ça, c'est pas de la peinture. Là, on fait un wash, on fait pas, on teinte pas, comment ça s'appelle? On redonne pas une couleur. Juste, on retravaille les volumes. Ok, on va sécher tout ça. On va faire notre corde. Alors, est-ce que j'ai encore. On va utiliser une petite bobine. Voilà, une bobine toute simple d'une petite voiture radiocommandée. Alors, logiquement, elle est de la pince. Ah. On va couper cette petite bobine. On va prendre le fait que. Alors. Hop. Et en plus, vous avez du custom pour cette vidéo. Alors, je ne l'ai pas fait avant pour éviter que ce soit trop épais à la peinture. Donc là. On va chercher à faire quelque chose de un peu plus clean. Alors, on va prendre le cure-dent ici. Alors, ce serait bien que je le fasse sous la caméra aussi. Ça, je le fais assez souvent. J'aime bien que les figurines soient. Ben, vous avez compris, j'aime bien le rendu réaliste des choses. La flèche, elle est là. Ah, si je suis pas sous la caméra, c'est serait dommage. Ok. Donc on va prendre un petit peu de super glue, notre cure-dent. On va prendre un autre parce que le bout un peu usé. Voilà, notre super glue. Alors on va prendre un petit papier. Hop, ça c'est un papier que j'utilise aussi pour faire de la conversion, mais là c'est juste. Pour mettre notre super glue dedans. Je crois qu'il n'y en a quasiment plus dedans. Ce papier qui peut servir aussi de tapis. Hein. Quand vous voulez faire un custom. Des caps aussi. Pour des bases de caps. Ok. Ce serait bien que je ne paume pas ça. Alors on est parti. Alors pourquoi j'utilise un cure-dent? Parce que c'est du bois et le bois ça absorbe bien la colle, donc ça permet de la déposer. Okay. Travailler sous une caméra en même temps, c'est vraiment compliqué. On va la tenir le temps. Voilà, qu'à colle. En attendant, on peut attendre que ça sèche. Hop. Normalement, ici, ça devrait être bon. Ok. Elle est bonne. On va remettre
Elle est où? Elle est ici. Okay. Je vais remettre ça ici. On va remettre encore un petit peu. On va tirer. Là, est-ce que vous voyez ce que je fais? Salut le gauche. Ça va, ça va. Toi, ça va. Donc là, on va tirer pour replier. Alors comme c'est du comme c'est du c'est des sortes de fils comment ça s'appelle, on peut dire ça, c'est du sort de c'est du fil électrique, donc c'est facilement tirable et ajustable, donc c'est ça qui est cool. Donc là on va tirer pour un droit. Après on va plier. Côté là est un peu plus chaud apparemment. Ah oui, ok, je comprends. L'arbalète est pas. Ouais, je galère un petit peu sur la corde, hein, comme tu dis. Ça me paraît bien là. Bon, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus tendue. Voilà, c'est cool. Donc ici, on va faire quasiment la moitié d'un tour. Pareil de l'autre côté. Bien, vous avez une série de vidéos et de custom en même temps. Moi, ça m'horripile de voir des comment s'appelle des arcs ou des arbalètes comme ça qui n'ont pas de cordes, mais bon, c'est logique en même temps. Donc, on va couper au ciseau à ras et on va pousser jusqu'au bout. Est-ce que vous voyez? Okay. C'est fait de ce côté-là. Bon bah voilà, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais voilà, un petit arc, une petite corde bien bien sympathique. Donc là, on va la pousser un peu pour la tendre. Là aussi, et voilà. Tadam! Ouais, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas comme si j'en avais fait des centaines. Donc voilà une petite corde. Donc j'ai voulu la faire à frais justement pour éviter tout cet effet de poser avant quoi. Donc là on va attendre un petit peu. Notre corde est donc de quelle couleur? Ah d'ailleurs c'est vrai que c'est une corde qui est tressée. Logiquement dans le truc c'est un truc qui tournait. Donc on va la faire de la même couleur. Alors on va prendre un pinceau un petit peu abîmé. Non, ça c'est un pinceau qui est là, ça. Alors on va prendre un pinceau abîmé pour faire la corde. Donc on va utiliser exactement ce qu'il me reste encore. Voilà. C'est quoi la couleur? C'est camo allemand brun foncé. Et on va faire notre corde. Alors pourquoi je fais ça après, c'est bah déjà les gens en mettent, ça m'embête. C'est que la corde sur une arbalète est donc posée après. Donc vous avez compris ma façon de réfléchir. C'est bon. Et comme elle est après, bah on va la peindre après. Ou on la custom après. On va éviter de déborder, bien sûr. Plus elle est pas évidente à peindre celle-là parce que comme elle est brillante rouge, voilà, la corde elle est pile à l'échelle de ces figurines. Donc j'ai mis beaucoup de temps. Donc tu passes après. Okay. C'est ça.
Et en plus, c'est pile à l'échelle. J'ai mis pas mal de temps justement à trouver la type de corde qui permettrait donc ce type de fil qui pourrait donner à l'échelle de ces figurines. Et je les ai trouvées il y a quelques années maintenant. En fait, je customise des voitures radiocommandées. Donc, et des voitures et des carrosseries de circuits TCR. Donc c'est la bonne échelle et donc je me retrouve avec des carrosseries et des châssis en rab. Donc les châssis, mais vous pouvez en trouver dans plein de trucs électroniques, soit des téléphones portables ou autres. Donc moi je suis toujours adepte, de toute façon si vous êtes les petits amis de Facebook, surtout de YouTube, Facebook va vous me suivre, mais surtout les amis de Patreon, vous allez voir qu'il y a énormément de custom, de choses que je customise avec des trucs un peu trouvés à l'arrache. Bon bah voilà. Eh, ça donne ou ça donne pas? Ça donne ou quoi? Ça donne, ça défonce, hein? Allez. Alors justement, on en profite qu'on a cette couleur-là. On devait revenir dessus pour justement wesh un petit peu ici. Il nous reste une demi-heure. Bon bah c'est bien une demi-heure, c'est cool. Ça nous permettra de refaire le visage. Reprend encore ce marron et on le réapplique ici. Voilà. On le réapplique. Une dilution ici pour atténuer un peu le dégradé. C'est pas trop mal tout ça, c'est pas trop mal les amis. On s'en sort avec une figurine ultra compliquée. Il y en a encore une autre qui était plus compliquée, j'ai pas pu faire les vidéos parce qu'elle était trop complexe. C'est celle de Black Plague, je crois, ou Green Horde, je crois que c'est Green Horde, où en fait c'est la figurine de Prince. Et elle est tellement compliquée que j'ai abandonné dès que j'ai commencé à faire les vidéos d'une heure. J'ai dit ça va pas être possible. Et j'étais obligé de me y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà, on a mis notre petite cordelette. Ouais, toute tranquille, toute tabasse, toute cool. On va l'éclaircir après. Et maintenant, on va passer à l'étape qui va être, vous voyez, un petit peu les taches de sang rouge et le visage. Ah, ça va être très chiant. Ça va être très chiant. Ça va être très chiant. Donc, avant de passer au visage, on va galérer un petit peu. Alors, je manque toujours une étape pour s'amuser, hein. On va utiliser donc le marron Royal Navy pour faire l'espèce de tache et de début de rouille qu'il y a sur les visages. Et après, on finira par éclaircir avec du blanc, foncer et faire nos linings en noir. Et ça va, on va avoir le temps. C'est cool. Donc là, on va retravailler justement. Oh, le zoom, il est gigantesque. Il est où dans mon assiette le truc? Souci de la palette sèche. Et donc de retrouver sa peinture quand. Là, maintenant qu'on l'a posé, on va la diluer un petit peu. Voilà. Pareil là. On va rajouter un peu plus. Voilà. On ne va pas aller plus loin. On va faire un petit peu sur le casque là.
Oui, on n'ira pas plus loin. Voilà, mais maintenant, on va travailler le visage. Déjà, j'ai mal au crâne. Donc, on va utiliser notre chair de base, chair claire plutôt. On a fait une base très très claire en ivoire pour redonner donc les volumes. Hein. Dans la première vidéo, vous avez bien vu qu'on a j'ai mis des volumes. Et donc là, on va commencer à teinter et à donner une couleur. Donc là, on est parti sur la couleur chair claire. Pourquoi? Parce que c'est une rouquine, ils ont toujours la couleur très claire et de toute façon sur le dessin c'est très clair. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez dilué. Le visage, tu vas rendre un peu plus humain car là on dirait un mode ghost. Oui, on va retourner les volumes, mais le problème c'est que la sculpture est pas tip top en fait. Bah, pas la sculpture, excuse-moi Rémi, c'est pas la sculpture, mais la. Comment s'appelle la. Comment dire? Le rendu en fait. Donc là, on va lui donner un petit peu plus de couleur. Donc là, on retravaille les ombres, même si là, je pense que l'équilibre, mon appareil va peut-être pas bien redonner. Le problème, c'est que voilà, la chair claire est trop claire en fait pour la caméra. Je vais essayer de. Là, c'est un peu mieux. Genre un peu de rouge sur les lèvres. Oh, bah, exactement pareil, du rouge sur les lèvres, les yeux, etc. Alors, je vais regarder. On va changer un petit peu. On va peut-être. Qu'est-ce qu'on va pas mettre ici? Est-ce qu'on mettrait pas du contraste histoire qu'on voit un peu le volume? Ah, j'ai à peine touché. Et là, je trouve pas ça très joli. Ouais. Limiter la luminosité. On va essayer de récupérer la netteté. Je vais pas y arriver la netteté. Ouais, il n'y a que moi qui peux savoir, comme tu dis. On va essayer de donner quelque chose. C'est un peu le problème de nos peintures super. Dommage. J'ai mon logiciel de contrôleur qui s'est. Logiciel de contrôle qui s'est qui a fermé. Alors on va essayer de le rendre un peu moins blanc. Voilà. On va faire quelque chose d'un peu moins. Voilà, histoire que ce soit. Alors j'essaie de regarder de tomber pile. C'est pour ça que en partageant mes pages et en vous abonnant, ça me permettra d'acheter du matos un peu plus de qualité pour avoir encore des rendus encore de meilleure qualité. On va pas aller trop loin. La luminosité est trop forte. Alors on va essayer de rendre à peu près pareil. Voilà, ça me paraît bien. Ok. Ouh! On a réussi. Donc, on va travailler avec. On a travaillé, mais on va commencer à travailler l'acajou. Donc, quelque chose qui est très très rouge. Parce qu'elle a un visage très rouge en fait. Bah, blanc-rouge en fait. Donc, on va mélanger notre acajou avec notre chair claire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais, ça se voit quasiment pas. C'est beaucoup plus rose en fait. Donc, on va aller travailler ça.
Bon, ça peut être un peu chiant à regarder, mais c'est aussi relou à faire aussi. Hein. Je vous l'accorde. On va remettre encore de l'acajou pour roser de plus en plus la peau. Est-ce que je suis dans le cadre? Ouais. Il faut que je le remonte un peu en fait. En plus, elle a un visage, on dirait. Il est tout rond son visage. Là, c'est de l'acajou pur. On met sur les lèvres. T'as un visage, on dirait un fantôme japonais. Accentuer notre rouge. Donc là, on est sur de l'ivoire. Donc là, il y a tout qui devrait commencer à apparaître un peu plus. Alors, je sais pas la caméra. Incroyable. Ce que je mets ne se voit pas du tout à la caméra. Ok. Pourtant, c'est super fin. Moi, je le vois. Ok. Alors, ce que je suis en train de faire, vous ne le voyez absolument pas. Donc, c'est vraiment génial. Sympa comme tuto de faire quelque chose que les gens ne voient pas. Ah si, on commence à voir. Donc là, on travaille avec de l'acajou transparent. Ah si, ça commence à être. De l'acajou transparent dilué. Ah si, ça se voit, c'est bien. L'acajou transparent est une sorte de rouge assez foncé, et le fait que ce soit marqué acajou transparent, c'est tout simplement c'est quelque chose qui est très dilué avec du médium. Donc c'est vous pouvez c'est bien ça, on commence à voir, et donc c'est vachement bien pour les visages. Des fois, il faut diluer au médium pour les visages, alors c'est pas obligatoire tout le temps. Alors, la caméra, c'est trop blanc, c'est beaucoup plus foncé que ça. Donc, on va remettre un petit peu de chair claire. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir vous faire un joli rendu à l'écran. Alors, moi, en réalité, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais à l'écran, je pense que j'y arriverai pas. Voilà la limite de mon matos, hein. Là, on fait les pommettes sous les yeux. J'essaie de lui donner du volume quand même, parce que là, la tête, elle est pas très. C'est quand même un peu mieux. Oh, putain, quand même, en vrai, elle est mieux. Je regarde l'écran, après je regarde ma figue. Je vois tout à fait la différence. C'est très complexe cette histoire.
Enfin, j'ai travaillé des visages beaucoup plus compliqués, mais. Là, on est sur un tuto, donc. Essaye de faire quelque chose de propre. Et surtout que. Pas propre, oui, mais est-ce que. Pour que vous puissiez le voir. Toujours ici, sous les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tout flou. Ok. Mon logiciel s'est mis à faire n'importe quoi. Ici, il faut vraiment bien, ultra bien travailler ici, juste sous les yeux. L'éclairage. Et après, un trait qui va du dessous jusque-là. Tu peux avoir le coin de l'œil. Bah, quand vous allez voir la figurine en vrai, pour ceux qui viennent au studio, et en photo tout à l'heure, quand je l'aurai fini, vous allez voir que c'est pas du tout le même rendu que vous voyez à l'écran. C'est archi mieux. Donc là, normalement, je devrais l'éclairer, mais au visage, à la cam, il est déjà ultra éclairé. D'ailleurs, il y a des traits, je ne sais même pas d'où ils sortent. On va reprendre notre acajou transparent pour faire les lèvres. Ah, je crois que ça a déjà séché, non? Ah non, voilà. Je suis dans la caméra là. Je comprends pourquoi les personnes sur le net, ils ont. Il n'y a pas beaucoup de figurines qui sont bien plates de celle-là. Elle est tellement compliquée. Donc là, on a fait la lèvre. Ah, c'est bon, ça commence à être bien, bien visuel. On va recroiser un petit peu la joue ici. Le flanc du nez. Putain, mais sans déconner, je fais des trucs, ça se voit pas à l'écran, quoi. Elle a un peu plus, on va dire, les moins cadavériques et un peu plus humaine. C'est un peu mieux. Alors ici, elle n'a pas un nez qui va jusqu'au haut du front. Donc, on va couper ici. Pour faire l'impression que le nez, il rentre à l'intérieur, bah, comme nos nez en fait, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors les sourcils, il n'y en a pas, mais bon. Putain, j'arrive à les faire. On va créer un semblant de quelque chose. Ouais. Vite fait, hein. Voilà, c'est bien. Pareil ici, on continue à creuser la joue. Oh là, j'en ai mis trop. Et on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus, on va dire un peu plus réel. Par contre, ton œil, il déconne un peu là. Bah, son orbite, parce que son œil, on l'a pas fait.
petit trait sous la première lèvre pour donner du volume. Ok. Et en vrai, elle est quand même largement plus belle que ce que vous voyez à l'écran. Ouais, j'ai un petit souci sur le truc, on dirait qu'elle fait un. On va élargir un petit peu sa vue. Voilà, c'est un peu mieux. Positionne le nez, elle n'a pas un nez à la Jackson. Hein. On travaille aussi sous le nez. C'est compliqué. Ce visage est très compliqué parce qu'il est très très mal ressorti. Donc on en profite qu'on a le noir pour dessiner des volumes de cheveux. Et on fait le lining du tour du visage. On va tenter faire l'œil, même si je pense que là, vu la taille de la figurine, ça me paraît un petit peu compliqué. Faire quelque chose de super cool. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, ses yeux sont bleus, c'est ça? Juste son bleu, je pense que j'y arriverai pas. Est-ce que j'ai un bleu foncé? Ouais, j'ai le bleu foncé Exil Blue de tout à l'heure. On va tenter de faire quelque chose. Cool, ça c'est fait. De l'autre côté. Le problème, c'est que ça se voit pas à l'écran. J'avoue qu'il n'est pas foufou. Rémi n'a pas eu de chance sur cette fille. Ouais, bah ouais, Rémi, il a un peu galéré. Hein. C'est le problème, c'est cette figure un peu compliquée. Et là, on va passer donc à l'étape où on va mettre nos points blancs et nos noirs. Il nous reste quoi, 10 minutes. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, on va commencer à faire nos points blancs. Donc, toujours, on finit. Moi, je finis toujours avec le blanc du FW. Parce qu'il est super puissant. Là, on va essayer. Ouh ! Voilà, le petit bout du nez. Le dessous de l'œil. Et là, ça va être. La caméra va peut-être faire un. Ajustement et donc vous allez pouvoir commencer à bien voir la fille. Voilà, le visage commence à être un peu meilleur. Parce qu'il lui fallait une référence de quelque chose de plus clair. Donc là, à la base du front, le petit point. Profiter pour faire les rivets du dessus du casque. Ah, la caméra fait des ajustements. Faut que j'enlève de la luminosité et du contraste. Voilà. Je vais remettre ça. Voilà, c'est un peu mieux.
caméra, il manquait les points blancs. Alors maintenant, on va faire donc tous nos points blancs un petit peu partout. Il va y avoir du travail de points blancs là. Tac. Ah, moi j'en ai mis trop. Vous allez voir, la caméra là va vous rendre les choses un peu plus lisibles. Toujours la caméra là, ouais. Là, vous voyez que ma main elle est beaucoup plus naturelle là. Elle est moins foncée ou moins claire, elle est beaucoup plus naturelle. Donc c'est-à-dire que la caméra fait son travail. Et donc là vous commencez à voir quelque chose, la figure n'est beaucoup plus. Beaucoup plus réel. En fait, vous faites juste un ajustement avec ma main et vous voyez qu'elle est, elle est, elle est. Si elle est très naturelle, ma main, c'est que c'est bon. Donc, c'est très important tous ces points blancs. Voilà. Par contre, là, ça va être chaud ici. Content, je suis content de ma fixe, c'est plutôt pas trop mal. On aura mis un petit peu plus de, je pense un peu plus de 4 heures. Donc ici les petits points, c'est vraiment tout petit, hein. On va pas travailler plus que ça. Là on va pas faire des points ici, ils y sont déjà, on n'a pas besoin de faire du reflet. Par contre, on va retravailler l'ivoire ici. Et voir que cette tout est beaucoup plus lisible. C'est normal en fait, tout ce travail de lisibilité est fait à la fin. Ah, je suis hors de la caméra. Donc voilà. Ici, je voulais faire du bleu. Sur le bout de, comment ça s'appelle, sur la pointe de la flèche, mais en fait c'est pas possible, ce sera trop petit. Donc ici on va redonner le volume avec des pointes. Alors on fait le bord de l'arbalète. Vous voyez que c'est beaucoup plus. Alors dans le fond je vais éviter. Wow. Si. Putain, faut que je la mette sur la caméra, c'est le problème du zoom. C'est limité. Ici, le rebord. Bon, ce sera sympa comme travail sur 4 heures. Et moi, je bosse normalement sur mes figues pro quasiment le double. Voilà. Minimum le double d'heure que j'ai fait sur cette figurine. Vous vous rendez à peu près le rendu que ça peut donner. Là, on va mettre des tout petites textures pour les cheveux.
Ici, on ne va pas commencer à faire des dégradés d'orange, etc. Ça ne sert à rien, c'est trop petit. Il faut vraiment vous baser sur la lumière. Et donc la lumière va être ici des tout petits points. Oh là là, ça je crois pas que ça s'est vu à l'écran. Non, ça s'est pas vu. En fait, c'est des traits qui sont faits comme ça. Tac, 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 comme ça. Mais sur le bord, en fait, des cheveux. Et je pense que ça se voit pas. Peut-être que vous le voyez, mais c'est très 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 petit, hein. Donc là, on va retravailler encore un peu. Parce que comme c'est une tresse, et je ne veux pas dessiner une tresse, hein, bien sûr. Ok. Alors même si c'est pas logique ici, on va mettre un petit coup de blanc ici entre les deux. Hop. Attendez, je vais faire ça en fait. Voilà. On va mettre du blanc ici. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pour que votre œil lit les lit en fait le lier. Lit, lire et lier les deux zones. Parce que sinon, en fait, vous pouvez pas. Ça va être compliqué. Voilà, je le fais aussi de l'autre côté. Rémi, il va être content. Pareil, j'espère que pour le bonheur, il va kiffer. Vu que c'est ses figurines. Je sais que déjà il avait kiffé une de mes figurines précédemment, donc ok, donc là c'est fait. Ici on va mettre quand même un petit point blanc. Oh là là, il y en a des arêtes. Hein. Moi perso, j'adore faire les armures. Vous avez vu, ça c'est très très fin. Hein. J'adore faire les armures. Bon, avec un peu plus de temps, j'aurais fait encore un truc un peu plus cool. Et je vous rappelle qu'après ça, on a tous les linings noirs à faire. Encore au travail. Les zones ici pour éclairer. Vous n'êtes pas obligé de refaire toutes les lignes, ce que je vous expliquais. Vous faites que certains endroits. Vous avez vu la FW, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur mon pinceau, mais vous pouvez tellement travailler plein de zones. Putain, elle est vraiment trop cool cette fille. Même si c'est dommage de rendu. La sculpture est moyenne. J'avoue qu'il a pas. Ouais. Bon, après, hop, on va retravailler ici sur les petites ficelles là. Tac. Vous l'avez vu ou pas? Ouais, c'est bon. Celle qui est en bas ici. Ok. Ici, on va tapoter. On va poser et on va travailler en cercle. On va avoir notre reflet. Là, on va travailler le rebord. Alors, il faut que j'en mette un petit peu sur la peinture. La FW est vraiment trop bien pour ça. Le blanc est tellement génial. Donc ici, on travaille en faisant des petits points. On fait des traits et on fait des petits points. Pour donner un effet texture et que le cuir soit un peu abîmé. Donc là, je suis obligé de réaugmenter cette lumière. Sinon, elle disparaît. Voilà. J'en étais où? Ici. La zone là à travailler. Là. Et on va voir les chaussures maintenant à bosser en bas. Voilà. On avait passé 2 heures. On aura mis quasiment 4 heures et demie à faire cette figurine. Donc. Sans déconner, on a encore toutes les lignes noires à faire. Et on a en plus notre lanière en bas à faire là, qu'on n'a pas fait. Et
tout ça juste pour jouer avec une figurine qui va mourir au bout de 10 secondes. Donc c'est pas le cas, c'est du massif, donc ça dure un petit peu plus longtemps. Ça, je pensais que ça allait être plus relou en bas. Ces fameux petits points. Ah, c'est un peu mieux déjà. Donc là, faut que je fasse. Pour la pointe ici, on va la mettre aussi de ce côté-là. J'ai peint d'à peu près de la même manière la figurine de la boîte d'ailleurs. Il y a une sorte de nain en armure dans cette boîte de Paul Bonheur. J'ai peint exactement de la même manière, mais beaucoup plus avancé. Et j'ai pas pu faire du tuto, elle est trop compliquée aussi parce que c'était une technique de trait par trait. C'était que du trait comme de la BD. Donc c'était compliqué à montrer à la vidéo. Finalement, je dis je vais pas faire de vidéo dessus, c'est trop compliqué. J'ai pas de matos assez clean. T'as vu, ce blanc, il est d'enfer. Hein. On les connaît, je vais faire combien de fois les... Putain, j'ai fait combien de kilomètres d'arrêt là? Bon. Le rendu n'est pas trop mal. L'étape d'après va être d'assombrir. Et là, si vous vous loupez tout ce que vous venez de faire avant. On va faire deux petits reflets ici. On va faire un troisième là. Allez, c'est du travail, c'est du travail. On y va, on y va, on y va. Bon, bah c'est cool, c'est pas trop trop mal. On n'est pas loin du rendu, à part que le visage est un peu compliqué à faire. Et on va mettre un petit wash. Alors, on va retravailler notre wash. Donc, on va utiliser notre dark tone. Cette fois-ci, on va pas le diluer au médium. On va le mettre en dilution avec de l'eau. Parce que je veux que ça soit sans mat. Et ça va être assez dilué. Voilà, dilution, ça va être ça. Voilà. Donc là, on fait l'ombrage. Et après, on fera ce qu'on appelle donc le trait par trait. Hop, donc là, on va ombrer. Allez, ombrer, ombrer. Donc c'est beaucoup plus fin. Oh, je suis hors caméra, quel dommage. Par contre, la caméra, par contre, là, va peut-être rendre la figurine ultra ultra foncée. Déjà, je voulais pas mettre son métal. Ouais, ça va être. Là, elle apprécie pas le changement de. Elle apprécie pas le changement de lumière. Donc là, on ne travaille pas sur le métal, on va travailler sur les autres zones. Le cuir. Bon, là, c'est bien, il y a des zones, je sais que là, j'aurais pas besoin de faire des linings. Ça, c'est cool. Autour des cheveux, la cagoule à l'intérieur, là. Il faut que j'arrive à l'atteindre par contre. Voilà. On va éviter d'en mettre sur le visage. Donc c'est bien, on a déjà fait le tour du lining. On a déjà fait le lining du visage, donc ça c'est cool. Alors moi j'adore ce wash là parce que le médium est vraiment cool. Alors là, on va pas travailler sur le métal, mais on va travailler sur la petite fourrure qu'il y a là. Il faudra pas qu'on oublie de faire les sangles en bas. Ça fait 5 fois que je le dis, mais
Voilà. En attendant que ça sèche, on fait des sangles. Bien sûr, on appuie la couleur. Donc, on va utiliser du camo allemand brun foncé. Hop, on va remonter un petit peu. Et donc, en fait, pour avoir vraiment une clean super propre, c'est toutes ces étapes qui sont offertes. Vous éclaircissez, vous faites un glacis pour mettre la couleur et après, vous faites un wash. Et ça, c'est plein d'étapes comme ça pour avoir quelque chose de super clean. Alors, déjà, est-ce que je suis dans la caméra? Ouais, je suis dans la caméra. Donc ici. Voilà. L'autre côté, alors l'autre côté, il a complètement disparu. Donc, je pense qu'il va être au milieu là. On va le faire au milieu. Là en dessous, il y a de ce côté-là. Ce côté-là, il n'est plus. Donc on le crée. On va en profiter. Vu que là c'est du marron, on fait le lining de cette couleur-là autour du autour de l'armure. Ah ouais, alors là la caméra, wow, j'ai l'impression que la figurine elle est noire. Faut que j'éclaircisse un petit peu là. Ok, ça me paraît mieux. Bon, mais je suis content. Là, on va sécher. Parce qu'ici, on n'a pas mis de médium, donc on peut le sécher au sèche-cheveux. Si on aurait mis du médium, on l'aurait pas séché au sèche-cheveux. Et bien sûr, au séchage, la photo a changé. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, ben ça, c'est cool. Et on va faire les derniers. Alors, je vous dis, hein, les derniers. Et on va travailler au noir FW pour faire les derniers linings autour. Donc, de l'armure et quelques endroits qu'il faut faire. Alors le gant. Le gant ici. Peut-être la caméra va commencer à faire avoir un rendu plutôt cool là autour de la main si on a les doigts à faire. Là la ceinture est là. Ça c'est vraiment
une étape ultra importante que beaucoup de gens ne font pas. Bon, là, ça a quasiment été fait. Ils ne le font pas parce que considèrent que ça sert à rien. On va réaccentuer le marron qu'on a mis avant. Ah ouais, franchement, ce serait mieux que j'ai de la peinture sur mon pinceau. C'est plus facile. Là, le rebord des sangles. Bon, les sangles internes, on ne pourra pas les faire. Voilà, regardez, tout bien visible à ce moment-là maintenant. Là, ça va, il n'y en a quasiment pas à faire. Moi, ça me paraît pas trop mal, là. C'est vraiment une étape qui vous dit que c'est la fin et en même temps une étape ultra importante qu'il ne faut pas zapper. Ah, là j'ai pas. Il faudrait bien que je délimite là. Sinon on va croire. Si vous mettez ça et ça déborde, vous faites ça, ça s'enlève. Bon, bah les amis, on va s'arrêter là. Voilà notre Geneviève. Alors c'est pas Sainte Geneviève, mais c'est notre Geneviève. On a fait ce qu'on a pu. Et donc voilà, notre petit tuto d'à peu près, on va dire ça, 4h30. Bon, même plus que ça. Ouais, 4h30, parce qu'on a mis 10 minutes de plus. Ouais. On est à 4h30. Donc je remercie encore tous les petits amis youtubeurs qui s'abonnent à ma chaîne. Les petits Patreons qui sont là depuis un moment ou qui viennent d'arriver. Pour les gens de Twitch, ben merci de venir en live, poser vos questions et tchatcher un petit peu. Juste après, on fait un blabla peinture, juste là après le tuto. Ben, YouTubeur, c'est pareil, vous pouvez venir, si vous venez sur Twitch, vous pouvez avoir, vous savez, les horaires. Donc, juste après, on discute. Et voilà, donc, enfin fini cette Geneviève qui était, ma foi, compliquée.
pour. On a fait 2h30, on aurait bien voulu faire un peu moins. 4h30, 4h30, je vous raconte des bêtises. On a fait 4h30 en tout. Je vous dis à bientôt, à tout de suite, les amis de Twitch. Faudra faire un petit F5. Allez, ciao!